Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec une envie de madeleine. Donc, je vais faire des madeleines vu que c'est super simple et super rapide. Petit bémol, c'est que je n'ai pas de fleur d'oranger, donc je mettrai à la place de la vanille liquide. Bon, c'est pas bien grave. Et voilà, après, je vais me faire un petit thé. Donc, j'ai acheté ce petit thé là en même temps que le. En fait, quand je suis allée à Leclerc il y a 2 jours. J'avais acheté ce thé là, donc le thé noir classique anglais quoi, et j'ai acheté celui là aussi que j'achetais tout le temps au travail, enfin pas au dernier travail avant, on s'en fout de ce petit détail, mais bon je vous le dis quand même. Et c'est un thé dans des petits sachets comme ça, je sais pas si vous allez réussir à voir, voilà, et il est vraiment très très bon, vraiment très 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 bon. Donc je vais faire ça, que je vais mettre dans une gourde et que j'emmènerai avec moi, parce que comme vous le savez, je suis dans une démarche d'apprendre à olier à la propreté. Donc ce que je fais, olier à propreté, qui ne savent pas et qui viennent d'arriver, c'est un chien, c'est un berger allemand, berger belge. Donc je lui donne à manger et hop, on sort directement. Donc elle se défoule un petit peu et elle fait ses besoins. Donc voilà, ça c'est le petit programme de la matinée. Donc c'est parti, je vais me lancer à faire mon petit mélange pour les madeleines. Et après, je pense que je vous reprendrai pour la promenade avec Olia. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, on vient juste de manger notre repas du midi. Vous voulez savoir pourquoi est-ce que... Voilà, vous voyez le coupable assis là. Il n'est pas tout nu, hein, il a un short, il est torse nu. Lève-toi pour voir. Voilà. Alors, il est sorti en fait pour arroser la menthe. Tu expliques ? Il est sorti. Rien à dire, moi. Ok. Il est sorti pour arroser la menthe. Et en revenant, le tuyau en fait, il coulait. Et du coup, il me l'a fait couler dessus. Non, j'ai pas fait. Tu me l'as fait couler dessus. Te montrer le ciel. Donc, mais c'est des grosses gouttes. Hein. C'est vraiment comme s'il y a eu une grosse pluie, genre d'un coup, et après ça s'arrête. Donc c'est des grosses gouttes. Bref. Et après, donc je lui prends le tuyau des mains et je lui fais un petit jet dessus. Quoi qu'il en soit, c'était un jet d'eau qui sortait du robinet de l'extérieur, donc de l'eau à température ambiante, parce qu'il fait chaud, donc l'eau elle sort pas super fraîche, elle sortait chaude. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il s'enferme dedans et moi j'avais complètement le dos tourné, enfin je regardais pas ce qu'il faisait. Il est rentré et il a pris un verre d'eau qu'il a pris du frigo, c'est-à-dire super fraîche, et il me l'a jeté sur le dos. Tu montres mon dos s'il te plaît? Ouais, ton dos, il est pas mouillé. Voilà, imaginez que c'est un verre d'eau genre glacé. Bah oui, c'est n'importe quoi, c'est toi, je sais pas qu'est-ce que t'as fait avec le tuyau là, tu t'es mouillé. Allez, seul. Bref. Moi j'ai rien fait. Voilà, gaminerie. Bah non, après t'as fait rentrer Olia là, ça lui dit. Non, j'ai pas fait rentrer Olia, c'est parce qu'en fait, je lui courais après pour lui mettre des glaçons dans le dos, entre le t-shirt et le dos. Et Olia, elle nous a vu courir comme ça, elle a eu peur, du coup elle est rentrée dans la maison. Je crois qu'elle est en train de chasser des sauterelles. Ah. Ouais, c'est son jeu préféré. Ah ouais. Dans le truc d'eau, non? Oui. Ouais. Ouais. Bon, allez, moi je vais continuer de ranger le dressing. Et après, ah oui, ce soir on est de mariage, donc on vous montrera un peu notre tenue. Ma coiffure pour ma part et non, quoique je vais mousser les cheveux tout simplement. Je vous montrerai par contre mon maquillage qui sera un peu plus travaillé. Non. Ah, va se bloquer, tu vas voir. Entre les deux barreaux là, il peut faire passer sa tête, sa grosse tête. On va faire des pompiers. Allez, bon, ça fait pas trop vite quand il n'y a pas les trucs de table là. Oui, ça fait du bruit. Je les mets où là, les fleurs? Je les mets où? Les fleurs, bon regardez où est-ce qu'il les a mis déjà dans un pot à eau. Mais c'est normal, on n'a pas... Je les mets dans l'espace de grand verre là, comme où on mettait d'habitude. Mais là il y a 15 roses. Bah ça rentre. Ça rentre? Bah oui. T'es sûr? Bah oui. Bah oui hein. Bah oui. Bref. Et j'aimerais trop acheter une plaque en verre de la taille de la table et la mettre au-dessus. Ouais, parce que... Ouais. Elle absorbe trop les couleurs, les taches et tout, c'est une horreur cette table. Et comme vous voyez là, je crois qu'elle a un petit peu bu de l'eau. Ouais. Donc ouais, non, va falloir qu'on fasse quelque chose là, parce que sinon table à je ne sais combien d'euros, elle va pas durer 2 mois, même pas. Donc voilà, bon bref, moi je vous ai pris parce que je suis en train de ranger le dressing. En fait, je suis en train de ranger le dressing. Et là j'en suis à ranger mes vêtements. En fait, à inverser mes pyjamas d'hiver. Bon, là, c'est à jeter tout ça. Hein. C'est des vêtements que je ne porte plus. D'ailleurs, il faut que je les descende. Ça fait tellement, je sais pas combien de jours qu'ils sont là.
Donc j'ai inversé les pyjamas d'hiver avec les pyjamas d'été. Et j'ai inversé quelques vestes d'hiver ici. Et les t-shirts d'été, les combinaisons que je ne mettrai plus parce qu'elles sont beaucoup trop légères. Je les ai mises dans ces espèces de petits trucs que j'ai acheté chez Ikea. Et en fait l'idée ça serait de les mettre en haut. Voilà les petits cubes en haut. Et ranger ces petites colonnes Ikea là-dedans. Donc en dessous des vestes. Donc voilà. Donc c'est parti, je m'y mets. Let's go. Il m'énerve. Bref, bon vas-y reste là-bas. Voilà, en fait comme je vous disais ça voulait pas fermer parce que il y avait quoi, 1 cm de plus. Et en fait le centimètre c'était la plainte. Donc ce petit truc là. Et ce qu'on a fait c'est qu'on les a mis sur ça, sur ben, le reste des planches qu'on avait du dressing à chaussures. Et du coup ça donne ça. Voilà, sur le côté de la penderie. Et là j'ai toutes mes fringues et mon mari, enfin tout ça. Allez sors. Salut. Allez, salut. Allez, sors de là. Doucement. Ouais. Porte automatique là. Dis Siri, qu'est-ce que je dois mettre aujourd'hui? Mettez ce petit pull rouge là. Ah non, c'est bon, allez, sors de là. Je vais te démonter par contre là. Regardez ce qu'il fait. Allez, salut. Je vais te tuer. Bon, je vous reprends. Je suis toujours dans le dressing. J'ai un petit peu avancé au niveau du rangement. Donc là, on a les robes que je vais potentiellement porter ce soir. Comme je vous l'ai dit, on est de mariage ce soir avec Mister. Et du coup, là, il y a la coiffeuse. Enfin bref, c'est l'endroit où je me coiffe et je me maquille. Et là en fait on a l'autre commode qui est exactement pareil, sauf que vous voyez un petit peu le décalage, là c'est vide, là c'est plein, là c'est vide, je sais pas trop quoi mettre. Donc bon, je vais voir un petit peu, je crois que j'ai quelques bougies, je sais pas, je vais voir comment est-ce que je vais faire. Pour celles et ceux qui vont me demander pourquoi est-ce que je n'ai pas de coiffeuse, de vraie coiffeuse à proprement dit, j'en avais une. Avec les deux meubles Alex, donc je mettais un meuble Alex ici et un autre là-bas, et puis je mettais une planche au-dessus. Et donc comme tous les, enfin, les trois quarts des youtubeuses ont une coiffeuse comme celle-ci. Mais comme on a déménagé, enfin on a aménagé ensemble avec Mister, j'ai une pièce du coup de dressing qui est un peu trop petite. Et la coiffeuse en fait me prenait tout ce mur là. Alors qu'aujourd'hui voilà vous voyez que ça prend déjà vraiment pas mal de choses. Vous voyez. Donc je me vois pas remettre une coiffeuse, d'autant plus que je me maquille les trois quarts du temps debout. Donc je me suis dit bon, on va mettre tous les trucs ici. Et donc ce que j'ai fait c'est que ici j'ai mis un peu beaucoup de maquillage comme vous voyez. Mais c'est vrai que c'est un peu trop entassé, donc je vais essayer de trouver des astuces de rangement. Et ici tout le reste, donc là on a tout ce qui est crème, soin pour le visage. Donc voilà. Bref, je voulais juste vous dire que j'allais prendre une pause pour me faire poser un masque sur le visage. Et aujourd'hui je vais remettre le masque de chez Origins. Oui, vous m'avez repris dans un vlog précédent, je disais masque de chez Kills, mais en fait non, c'est Origins. Donc le voici. Donc je vais réappliquer une seconde fois. Et puis voilà, donc là je vais faire ça et puis après je me remets à mon petit rangement. Faut aussi que je fasse le dressing de Mister et la salle de bain. Voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui. On a fait que ça toute la journée. On adore. Et voilà, le dressing est fini. Bon, ce panier à linge, il va dans la salle de bain normalement. Je vais le ramener juste après. Bon, tu vois qu'ils sont mis ou pas? Bon, je viens de sortir de la douche, donc je vais me mettre à me maquiller. À la base, je voulais mettre des paillettes sur les yeux, mais je me suis dit, la flemme. Donc, on va faire quelque chose d'assez simple. Vous voyez mes guillemets? Assez simple, mais pas trop non plus. Donc, je vais vraiment travailler surtout le teint. Et les yeux, je pense que je vais faire un petit cat crease. Non, même pas un smoky. Je sais pas. Bref, je vous laisse regarder. De toute manière, je vous montrerai le résultat à la fin. Je vous montrerai pas tout en détail en vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long pour vous. Et puis voilà.
Donc allez, c'est parti, je vais commencer par m'appliquer mon petit fond de teint Born This Way avec ma petite éponge que je vais aller humidifier, et puis je continue la suite et puis je vous montre ce que ça donne tout à l'heure. Bon, me voilà prête. Ma ceinture n'a rien à voir avec le reste de la robe parce que c'est tout est doré et la ceinture est argentée. Mais j'ai pas de ceinture, donc c'est soit ça, soit rien. Je vais quand même aller voir chez ma mère si elle en a une. Mais ouais, je suis un peu deg quoi. Je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas bien grave de toute manière. C'est pas mon mariage. Donc c'est pas un détail qui... Bon, c'est qu'un détail. On s'en fout. Pour ce qui est de mon maquillage, voilà. Comme je t'ai dit, c'est un maquillage que je... En fait, c'est même un maquillage que je peux porter tous les jours quoi. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de... Il n'y a rien de transcendant. Donc un rouge à lèvres assez, assez discret aussi. Donc voilà, voilà. Ensuite, pour ce qui est des chaussures, je pense que je vais porter des chaussures simples, noires. Je pense que je vais mettre celle-ci parce que je suis très à l'aise dedans. Ou même peut-être celle-là. Enfin, je sais pas en fait, je verrai. Ou peut-être même des... Bah, celle-là parce que je suis habillée en bleu. Enfin, je sais pas, je verrai. Mais bon, peut-être entre celle-là, celle-là, celle-là. Ou les mêmes comme celle-ci mais en noir qui sont en bas. Voilà, voilà. Hello. Hello. Attends. Bon. Il y a un truc à dire. Oui. Quand, hop, quand t'es un chien, t'habilles pas en blanc. Genre, habille tout propre, qui sorte du... Ah, je vais le tuer, je vais la tuer. Regarde. C'est moi qui fais les machines. Là, je suis tout sale de partout. Tout ça parce que Madame Olia aime bien tremper les pattes. Ah oui, quand elle boit, peut-être qu'elle trouve que ça a un meilleur goût, mais elle boit et elle met sa patte dans l'eau. C'est pas assez salé. Voilà. Et après, elle part et elle revient. Elle a deux gamelles d'eau. Elle va dans la gamelle d'eau et elle met la deuxième patte. Elle goûte. Elle se dit peut-être que l'eau là-bas, elle est mieux. Elle est plus bonne. Bref, on vient de rentrer. Il est 2h du matin. On n'est pas rentré super tard, mais comme il pleuvait un petit peu, on voulait rentrer en fait. Mais bon, mariage plus vieux, mariage heureux, non? Ouais. Voilà. Donc bon, on souhaite beaucoup de bonheur aux mariés. Tout à fait. Félicitations à leur famille. Ils se sont débarrassés d'un... Poids. Voilà, ils ont une chambre en, une chambre en plus, voilà. C'est bien une chambre de vie, tu peux la non, faire. Je rigole. Du coup, on vient de rentrer. Moi, j'ai enlevé la partie du haut de mon caftan parce que c'est trop chaud. Et en fait, on est passé chez mes parents et on a pris le reste de mes chaussures. Tout ce bordel là. Voilà, donc on a trois sacs. C'est trois gros sacs. Et en fait, qui vont aller alimenter tout ça. Non, je pense que là, ça va le remplir. Ouais, ouais, mais bon, mais moi j'ai pas fini d'acheter des chaussures, moi. Je sais, mais bon, quand on achètera, on rajoutera une en haut. Ouais. Donc voilà. Bon, on n'a pas montré la tenue de Mister parce que Mister n'est pas venu finalement. Non. Donc voilà. On y allait que ma maman et moi. Et voilà. Bon, on range tout ça. Allez, on range. On range tout ça, on le remontre vite. Ouais, ben bah, attends, on montre avant. Puis voilà. On va enlever ça d'ailleurs, ça n'a rien à faire ici. Un petit avant. Voilà. Vous voyez qu'il y en a, allez, grosso modo, il y en a deux, trois, il y en a trois qui sont vides, quoi. Ouais. Voilà. Allez, on y va. Bon, on peut dire que ça s'est bien garni. Bon, ouais. Là, on dirait pas trop, mais regardez. Hop. Et hop. Mes chaussures préférées, les deux là. Là-bas. Les beiges et les noirs, c'est les plus belles chaussures que j'ai jamais eues. Toutes marques confondues. J'espère qu'ils vont en ressortir et que tu vas les recommander. Ah ouais, regardez-moi ça. Enfin, elles sont encore très bien. Mais je les ai saignées. À nettoyer un peu et puis... Je les ai vraiment saignées. Genre, je les ai portées peut-être sur 3 mois. 3 mois. 190 jours. 190 jours. 190. 90. Ben non, 190. 30 fois 3, ça fait oui, 90. Mais non, mais c'est pour dire que je les ai portées vraiment. Ah, que tu les as portées 2 jours de plus que ce que... Waouh. 100 jours. J'ai dit 190. Ça, bref, fois. On va éviter les calculs. Bref, tout ça pour vous dire qu'en un an, je les ai portés 379 jours. Voilà, si tu veux. Et du coup, je les ai aussi en cette couleur. J'avoue voilà. Que je les portais un peu moins parce qu'elles sont moins faciles à porter vu la couleur. Mais tu les as quand même bien portées. Je les aime trop. C'est mes chaussures d'amour, quoi. Voilà, bon. Bah écoutez, sur ces belles paroles, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. On se retrouve demain. Prenez vos vlogs. Au revoir. Ciao.